Alors maintenant, on va applaudir Alison. Du coup, bonsoir. J'ai regardé la vidéo que j'ai vue 70 milliards de fois et j'ai chialé. parce que tous ces gens sont absolument magnifiques. Du coup, bonjour, moi je suis Alison, je suis la fondatrice de Tagine Banane, une marque de vêtements d'allaitement que j'ai co-créée avec mon frère et mon mec en août 2018. Donc moi, si je suis là ce soir, c'est pour vous parler d'un autre tabou, celui de l'allaitement maternel. Parce que autant on est hyper à l'aise avec les nichons, l'histoire a fait son chemin, le topless, les décolletés, la télé-réalité, Insta, tout ça, il n'y a pas de souci, et tant mieux. Et autant il s'avère qu'on peut se sentir mal à l'aise si une nana s'assoit à côté de nous et allaite dans un lieu public. Et cette sensation-là, je ne vais pas vous donner la réponse parce que je ne l'ai pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça met autant mal à l'aise. Tout ce que je sais, c'est que quand j'ai créé la marque il y a un an, j'ai juste fait un t-shirt cool pour moi parce que j'en avais besoin. J'ai trois enfants et c'est pour mon troisième enfant que j'ai eu besoin d'un vêtement d'allaitement parce que je me suis fait opérer du ventre à l'accouchement et tout. Bon, bref, il me fallait quelque chose de pratique. J'ai regardé sur internet, je me suis dit c'est une horreur. Pas au niveau des designs, mais au niveau de la mentalité, on cherchait à cacher, il y avait marqué en gros discret, je me suis dit on s'en fout que ce soit discret, je veux juste pouvoir avoir un truc pratique. Et en fait j'ai lancé ça comme ça, un petit peu comme l'histoire de Fempo qui résonne, en me disant de toute façon au pire je vais plaire à 10 ou 15 mamans, ça sera chouette, je serai pas la seule dans le truc, sauf que j'ai fait des protos parce que moi à sa différence je sais absolument pas coudre. Et le proto, quand la facture est arrivée, il y en avait pour 1000 balles. Et là, j'ai fait « Ok, donc 1000 euros, c'est mort. Donc, il faut absolument que j'en fasse un truc. » Donc, ça s'est lancé comme ça. Et en fait, quand j'ai lancé Tagine Banane, j'en avais 250, parce que l'usine m'en avait demandé 250. Et j'ai cru clairement que j'allais en avoir pour 3 ans pour les vendre. Et ils sont partis en une semaine. Et donc, j'ai jamais repris le boulot, parce que moi, je passe à l'hôpital, je suis aide-soignante. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que ça a été le hold-up de ma vie, dans le sens où je suis jamais repartie. Et c'est surtout en fait que j'ai découvert des vrais problèmes qui sont bien loin de la praticité. J'ai découvert des messages qui nous sont adressés avec des témoignages qui sont complètement, affligeant, affolant, et ce que je croyais être des anecdotes de la nana qui se fait têche d'une terrasse de café parce qu'elle allaite, ou la nana qu'on lui demande dans l'avion d'éviter d'allaiter son enfant parce que ça gêne le passager d'à côté, je me suis dit ok, je sais que ça existe, mais ça doit être, enfin voilà, ça arrive pas souvent, heureusement, parce que moi personnellement, par exemple, ça ne m'était jamais arrivé. Et en fait, c'est quotidien, c'est tous les jours que les meufs se font jeter en allaitant leurs enfants, c'est tous les jours qu'elles se prennent des réflexions, c'est tous les jours que même dans leur propre famille, on leur fait des réflexions. Et je pars du postulat que donc ce hold-up est devenu ma mission. Et aujourd'hui, donc on a un an et quelques, et on a plus de 8000 clientes dans le monde qui portent nos t-shirts. Et on a créé un réel mouvement en France, et c'est en toute modestie, parce que ceux qui me connaissent sachent que je suis plutôt comme ça, qu'on se rend compte qu'il y a un vrai avant-après Tagine Banane, parce qu'on leur dit tout simplement que ce qu'elles font, c'est normal, et qu'il faut allaiter partout et tout le temps. Donc voilà, merci. On est bon. Merci, merci. Alors, parlons de malaise. Non, j'ai quelques chiffres parce que j'aime bien les chiffres. Selon une enquête sérieuse, parce qu'il y en a plein des pas sérieuses, de 2011, on a quand même 7 femmes sur 10 qui allaitent en France, 6 femmes sur 10 qui allaitent exclusivement. Du coup, tu as vraiment un énorme public potentiellement avec tes produits. Ça, c'est des chiffres. En fait, les derniers chiffres, c'est surtout en termes d'allaitement, c'est qu'il y a à peu près, on va dire une femme sur trois qui allaite dès la naissance. Après, il n'en reste qu'une sur quatre au bout de 3 mois, et il n'en reste qu'une sur 20 au bout d'un an. Sachant que l'Organisation mondiale de la santé, qui est quand même un truc un petit peu sérieux, te
te recommande d'allaiter jusqu'aux 2 ans de l'enfant pour sa santé, et, enfin, exclusivement les 6 premiers mois, et après de façon partielle, ça veut dire qu'il commence à manger de la nourriture normale, mais on continue à l'allaiter. Et c'est vrai que ça dérange pas du tout l'opinion publique, du moins dans notre façon de voir les choses, ça nous dérange pas du tout de voir un petit d'un an et demi ou 2 ans avec un biberon à la bouche, et ça gêne énormément de le voir avec un sein. Alors que par rapport à ses besoins physiologiques, il a besoin du lait encore pour grandir, et ça dérangera pas d'acheter du lait de croissance, alors que la mère a ce qu'il faut, qu'elle est faite pour ça, pour lui apporter un lait de croissance pour ses 2 ans. Et voilà, c'est ce rapport à l'image et au sein qui est hyper difficile à bouger, du moins en France. C'est pas le cas partout, mais en France, on est très loin de ça, quoi. Et tu crois que la gêne pour allaiter en public fait partie des raisons pour lesquelles les femmes abandonnent ? Mais incroyablement, bien sûr. C'est une des premières angoisses de la grossesse. À un moment donné, on est enceinte. Il se passe forcément un dilemme, il faut bien nourrir cet enfant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je donne un bib, est-ce que je donne un sein ? Donc même si à l'heure d'aujourd'hui, ben, pour la plupart des nanas qui sont ici, vous n'êtes peut-être pas encore maman ou vous l'êtes, l'allaitement, ce n'est pas comme les règles ou la masturbation, on a beau dire ce qu'on veut, on connaît. Par contre, l'allaitement maternel, on se dit tout de suite, ben, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas, ou alors ça ne me concerne pas encore, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est un phénomène de société, à quel point ça concerne tout le monde, parce que ça peut concerner votre sœur, ça peut concerner votre pote, ça peut concerner votre collègue au travail. Et là, aujourd'hui, on est dans le fief de l'entrepreneuriat, et peut-être que vous avez déjà des sociétés où vous serez les boss de demain, et vous aurez des employés, ces employés-là, elles reviendront d'un congé mat, elles allaiteront peut-être, et vous, en tant que boss, bah, qu'est-ce que vous allez faire pour l'accompagner, qu'est-ce que vous allez faire pour changer ça, du coup c'est voilà, au travail. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler, de pas rester sur, oh non ça me regarde pas, ça me concerne pas, je suis pas une vache, de se dire, attends, peut-être qu'il faudrait que je connaisse le corps humain, comment il est foutu, ce que c'est que cet allaitement, parce que ça vous touchera un jour ou l'autre, de près ou de loin, et c'est toujours mieux de savoir. Oui, et puis c'est vrai que la gêne, elle est aussi partagée par les femmes elles-mêmes. Sur mes petits chiffres, j'ai trouvé que 25% des femmes de moins de 25 ans sont dérangées par l'allaitement en public. Et alors là, qu'est-ce que tu réponds à ce genre de choses, du coup ? C'est des chiffres que je trouve difficiles à entendre, mais je pense que c'est juste une question de visibilité. Si tu rends l'allaitement visible, à un moment donné, il te gênera moins parce que tu auras l'habitude de le voir. Si tu vois des nanas allaiter dans le métro à côté de toi, t'en vois une, t'en vois deux, c'est pas anecdotique. À partir du moment où t'en vois pas, où elles sont isolées, où elles se cachent, elles sont dans des tentes, elles tiennent leur linge, elles sont en galère comme ça et tout, tu te dis forcément qu'il y a un problème parce qu'elle-même, elle est gênée de ce qu'elle est en train de faire. Donc tu vas pas être en adéquation avec ce qu'elle fait parce que tu sens qu'elle est mal à l'aise. Donc limite, tu la regardes pas parce que tu te dis putain, la meuf elle galère. Alors que si on a un mouvement, que tu croises une nana qui a un t-shirt qui est marqué « Mille ta mère », déjà tu vas la regarder, tu vas dire « bon, tu vas sourire », après tu la vois, elle met au sein, mais tu seras vachement moins gênée. Et ça, plus on verra les femmes sortir de chez elles, plus on les verra au boulot reprendre le travail, plus on verra des allaitements assumés, ça ne veut pas dire les revendiquer, ça ne veut pas dire « le biberon c'est de la merde », ça veut juste dire « je n'ai pas besoin de me cacher pour nourrir mon enfant ». Et plus ces visions-là, elles seront dans la rue, et plus notre regard à nous sera éduqué en fait à regarder ça, et ça ne nous choquera pas. Ce qui choque, c'est de ne pas savoir. Mais est-ce que tu arrives, alors je sais que tu as dit que tu avais du mal à expliquer les raisons, mais comment ça se fait que là, on soit sur un tel tabou ? J'ai plein de possibles explications. Oui, tu peux m'arrêter par contre. Moi, je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème de rapport à l'animalité, c'est-à-dire que ça nous renvoie... Alors, soit l'image de la vache, si on veut vraiment être méchant, soit aussi au fait qu'on ne soit pas un pur esprit, qu'on ait une partie animale, qu'on ait besoin de se nourrir comme ça, et que ça froisse un peu une espèce de vision de soi-même, de la toute-puissance, voire un peu transhumaniste, un peu robot. Il y a aussi un problème de corps féminin, lui-même, sous surveillance, qui est un seul coup, il y a peut-être un petit morceau de corps qui dépasse, alors c'est pas vraiment le cas, du coup, avec tes produits. Et récemment, je suis tombée sur un texte qui parlait de notre rapport aux fluides. Alors, c'était vraiment tous les fluides. Et du coup, ça concerne un petit peu toutes les entreprises dont on parle ce soir. Où on est toujours dans un malaise par rapport à ce qui sort de notre corps.
Donc que ce soit du sang, de la cyprine, du lait, mais aussi l'urine, les excréments, parce qu'on n'arrive pas à savoir si c'est nous ou si ce n'est pas nous. Ça modifie complètement notre rapport à l'intérieur, à l'extérieur, à l'obscène, à ce qui est permis, à ce qui est intime, à ce qui n'est pas intime, à ce qu'on fait en public, à ce qu'on fait en privé. Et j'ai plutôt l'impression que c'est ce problème-là qui crée le trouble en fait, avec l'allaitement. Je ne sais pas si tu es d'accord ou pas. Il y a forcément ça, parce que déjà, il est quand même plutôt fréquent d'avoir croisé sa copine en train de faire pipi, que ce soit en boîte de nuit ou n'importe, on a toujours vu quelqu'un pisser, c'est ça tout le monde. Par contre, qui c'est qui a vu une poitrine avec du lait qui coule, à part la vôtre? Personne. Donc déjà, mais qui a vu ça? Qui a vu du lait sortir d'un sein? J'allais dire sur les sites porno, mais ça fait peut-être aussi partie du problème, non? J'avoue que j'ai pas osé taper cette catégorie. Ah là là. J'ai jamais croisé mon mec là-dessus non plus, donc je sais pas. Oui, mais de toute façon, après, tout ce qui est du corps humain attire le fantasme, attire les trucs les plus glauques du monde. Je veux dire, que ce soit le lait, le caca, le pipi, je pense qu'il y en a des catégories. Mais on va dire, si t'es pas trop tordu, logiquement, tu vois pas. Et si tu ne vois pas, ça crée du fantasme, ça crée soit des déviances, mais ça crée aussi des projections qui peuvent faire peur. Et ça fait super peur d'avoir du lait qui sort des seins. Il y a plein d'images, on se dit aussi, ça abîme la poitrine, je ne suis pas un animal, il y a des biberons. Il faut dire aussi qu'on est martelé par des années de féminisme qui ont été tellement bénéfiques justement pour les règles, pour l'entrepreneuriat féminin, pour plein de trucs, mais pas pour l'allaitement. On ne faisait pas partie du chemin. Ça a été sur le côté, il ne faut pas allaiter les filles, c'est la servitude, vous allez être restées enfermées à la maison. Donc toutes les très grandes femmes du féministe n'étaient pas du tout pour l'allaitement maternel. Donc ça, c'est resté quelques années en arrière. Et quand on voit toutes les années à quel point des combats qui étaient déjà des combats il y a 40 ans sont toujours borderline, l'allaitement, autant vous dire qu'il y a du taf, il y a vraiment beaucoup de travail. Donc c'est sociétal, c'est le rapport au corps. C'est le rapport à la femme, c'est le rapport aussi... Il y a de la dépendance. Quand on allait un enfant, on ne peut pas forcément partir et dire « tu me le gardes pendant 3 heures » ou « tu me le gardes pendant 3 jours », je me casse. Tu ne peux pas. Tu peux parce que tu peux tirer ton lait, etc. Il y a des solutions, mais c'est quand même beaucoup plus difficile. Et nous, les femmes d'aujourd'hui, on n'aime pas être dépendantes de quelque chose. On n'aime pas se sentir accrochée. Il faut aussi se dire que quand tu choisis d'allaiter, il faut oser... en parlant poliment, porter tes couilles et dire « ouais, cet enfant, je le nourris, c'est grâce à moi qu'il va vivre, c'est moi qui porte cette responsabilité-là, je suis la seule à la porter dans la famille, parce qu'on a beau me soutenir si j'ai pu lait, ou, enfin, je veux dire, c'est hyper fort. » Et tout ça, si symboliquement, t'as pas toutes les billes, que ça soit une communauté Instagram, que ça soit une marque, que ça soit tes potes, que ça soit tes collègues de travail, si t'as personne autour de toi, tu tiens pas, tu allaites pas, ou pas longtemps. Et aussi parce que y a évidemment plein de symboliques sexuelles qui sont attachés au sein et au téton. Tu te retrouves à faire beaucoup de promotions sur les réseaux sociaux qui refusent d'en montrer. Comment est-ce que tu te débrouilles avec ça? On en parle. Nous, on a Instagram Tajine Banane depuis un an et demi à peu près. Et je n'ai jamais réussi à faire du contenu sponsorisé. C'est-à-dire même juste faire du contenu sponsorisé pendant Noël ou si j'ai une promo ou quoi que ce soit, nos pubs sont systématiquement refusées. Je dois avoir à peu près 16 demandes d'appels, etc. C'est refusé parce qu'on utilise des hashtags allaitement, breastfeeding, des hashtags comme ça. Donc notre compte est complètement boycott. Heureusement, on a plus de 51 000 abonnés. On a une communauté de malades, plus de, je sais plus, 3 000 reposts avec nos hashtags et tout. Mais c'est eux qui nous font vivre parce que c'est pas Instagram. Je pourrais rien en faire sinon. Donc effectivement, cette censure existe. Mais j'ai de la chance parce que je surfe dessus pour le moment. Et si un jour j'ai besoin de me dépatouiller différemment en payant de l'AdWords, etc., je verrai comment ça fonctionne. Mais là, pour le moment, je suis dans la censure. C'est-à-dire que même en ne montrant pas de seins, tu es censurée quand même? Oui, même mon logo. D'accord, je croyais qu'on était passé à autre chose, en fait, parce qu'il y avait eu des polémiques, je crois, en 2012 sur Facebook, avec des images de femmes allaitantes qui avaient été censurées. Mais il y avait eu des excuses de Facebook, même si ça continue encore aujourd'hui. Mais je pensais pas que... Ouais. J'avoue que du coup, j'ai jamais osé faire la tête brûlée, c'est-à-dire que j'ai des photos d'allaitement et que je trouve canon, avec même le téton qui dépasse et tout. Je n'ai pas non plus fait la ouf, je ne les ai pas postées, parce que déjà que je me dis qu'on est un peu boycott, si en plus je suis
fantôme pendant 3 semaines, ça va être compliqué. Mais pour ordre d'idée, on a fait une story il y a une semaine pour lancer une nouveauté et j'ai trouvé une photo absolument glauque, mais qui était drôle, d'un mec en pull de Noël avec des ouvertures au niveau des tétons. Et j'ai rigolé là-dessus, la photo elle a tenu 24 heures sans souci. Hein. Pourtant, on voyait bien ses tétons, mais je pense que j'aurais fait la même. Bon, j'aurais peut-être pas osé la faire, mais ça serait pas passé, quoi. Oui, parce que effectivement, le corps masculin a des tétons qui, comme chacun sait, sont asexués. Et du coup, ça nous amène au problème du sexisme. Est-ce que tu as une démarche que tu qualifierais de militante, de féministe ? Ben, je la découvre. Voilà, je la découvre. Comme je vous ai dit, je l'ai lancée par pur besoin perso et par pur enchaînement de situations où je me suis dit, je suis obligée de le faire. Et maintenant, c'est un putain de combat et c'est ce qui fait qu'on ne dort pas depuis un an et demi. Après, on est vraiment dans une démarche, justement, on n'est pas dans tout ce qui est sexiste et tout, parce que comme je l'ai dit, moi j'ai monté ma boîte avec mon frère qui est au fond là-bas et qui s'occupe de mon fils depuis tout à l'heure, alors qu'il aurait pu être sur cette scène pour parler avec moi de ça, parce qu'il le connaît très bien. Et mon mec, qui est ancien rugbyman pro, donc qui n'est pas du tout dans un univers féminin et qui là en ce moment même est sur Instagram en train de répondre aux messages de tout le monde. Donc nous on est là pour vraiment abattre tout ça et juste comment expliquer, pouvoir déjà donner la possibilité aux femmes d'être elles-mêmes, d'être des femmes libres, d'être des femmes entrepreneuses, d'être des meufs qui voyagent et tout, mais de le faire en fait sans choisir soit d'être mère soit d'être femme, et pouvoir aussi leur permettre, par la discrétion quand même du vêtement, de pouvoir le faire sans avoir des regards et tout. Et après, c'est à nous, en contrepartie, de ne pas garder notre discrétion comme argument de vente, mais en éduquant justement les gens qui sont autour, en leur disant, ce que fait cette meuf, c'est normal. Et dans cette salle, il y a une dame là-bas qui a un bébé, j'ai vu qu'elle allaitait, et en discutant avec elle, elle a une commande tagine banane qui est en cours, et il y en a une autre là-bas qui a un tagine banane et qui allait depuis tout à l'heure, et il y a deux bébés dans la salle, et il y a deux tagines bananes, donc c'est chouette, c'est trop bien. Oui, bravo. Merci. Où en suis-je ? Alors, juste encore un petit peu... Comment tu travailles du coup avec ta communauté qui est là ce soir est-ce que la communauté participe à l'élaboration des produits et des choses comme ça? Ouais, elles sont très investies. Je pense que la communauté Tajine Banane et c'était quelque chose qui, étrangement, au début, me faisait un peu peur parce que ça a pris quand même tout de suite. Je pense quand j'ai lancé la marque, on devait être 100 sur Insta. C'était ma grand-mère, ma meilleure pote et ma mère, quoi. Et en 2 semaines, on était 2000, et là, on est 51 000 en un an. Et en fait, le fait que ça grossisse autant, j'ai eu super peur, étrangement, de me retrouver dans un truc pro-allaitement et de faire tout le contraire de ce que je voulais. C'est-à-dire d'avoir un truc, l'allaitement, c'est trop bien, le reste, c'est de la merde. Et pas du tout. J'ai jamais eu à modérer un seul commentaire. J'ai jamais eu à m'expliquer d'un truc. J'ai jamais eu un seul message rageux. J'ai juste 2 messages chelous, mais c'était des mecs qui écrivaient des messages bizarres. Ça m'est arrivé 2 fois en 1 an et demi. Et non, c'est... Ouais, on a une communauté qui est très, très saine et très investie. Donc du coup, c'est vrai qu'on l'utilise de façon... on monte souvent des projets. Donc là, l'affichage que vous avez vu, c'était pour la Semaine mondiale de l'allaitement. On a fait de l'affichage sauvage dans Paris. Donc il y a eu beaucoup de milk ta mère à droite, à gauche. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs dans cette campagne, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont reposté sur Insta. Et 3 reposts sur 4, c'était des mecs qui repostaient. Des mecs de la rue. Il y a Joey Star qui a reposté. Il y a des gars complètement improbables. Et là, je me suis dit, le taf, on le fait. Et ça se fait petit à petit. Et c'est vrai que notre communauté, on l'engage dans ce genre de mouvement, parce que ce sont des vraies mamans, des vraies clientes qui sont venues. On leur a fait faire des actions comme ça partout en France, en leur disant, tu fais ton truc. Vous êtes des petits groupes. Vous parlez de l'allaitement parce que c'est vous qui allaitez. Vous faites ce que vous voulez. Donc, il y en a qui ont fait des shootings, il y en a qui ont fait des affichages, il y en a qui ont fait des trucs. C'est aussi dans des questionnaires de satisfaction. On a une très belle base de données de clientes qu'on utilise en leur envoyant pas 20 000 spams pour rien, pour leur raconter notre vie. On leur envoie juste, les meufs, vous avez eu telle nouveauté. Est-ce que c'était vraiment pratique? Est-ce que c'était mieux? Est-ce que ce tissu, c'est mieux? Est-ce que c'est ce genre de choses dont vous avez besoin? Et en fait, c'est comme ça qu'on grossit et qu'on est aussi proche d'elles. C'est parce qu'on les écoute tout le temps.
Oui, et puis on a aussi l'impression, à travers ton projet, les deux précédents, que dès qu'en fait on s'adresse à la gêne, au malaise, les gens sont tellement soulagés que ça crée un truc incroyable. J'aurais jamais pensé ça à ce point. Je pensais pas que c'était une telle détresse. Je peux pas dire, oui, moi je savais qu'il y avait un problème, je suis venue le résoudre, genre en mode, c'est bon, j'arrive, je suis là. Non, moi je suis arrivée dans un truc, mais j'étais pas prête d'arriver là-dedans. C'est-à-dire que je me suis juste dit, putain, mais c'est quoi ce truc, quoi ? C'est quoi ces problèmes ? J'ai eu des messages, et au début j'en voyais un ou deux, je me disais, oh la pauvre. En fait non, c'est pas oh la pauvre, c'est oh la pauvre, il y en a plein. Et c'est, heureusement, je viens d'avoir ma commande, ça fait 4 mois que je suis pas sortie de chez moi. Mais c'est vrai. Ça faisait 4 mois qu'elle n'était pas sortie de chez elle, puisqu'elle devait allaiter, qu'elle s'est dit, je me sens pas d'aller au resto, il va pleurer, je vais devoir sortir mon sein, non, mais il y a les potes, je me sens pas d'aller au tram. Et ça, c'est une réalité. Et c'est pas normal. Wow. Dernière question avant les questions. C'est quoi la prochaine étape pour toi, pour la marque ? Dormir. Très bien, parfait. Pourquoi t'as une banane ? Du coup, t'as une banane, à la base, c'était le petit pseudo de mon compte perso. Et c'est un surnom que nos potes nous donnent. Parce que moi, du coup, j'ai des origines marocaines. Et mon mec est antillais. Et on a 3 gosses. Tu vois, donc du coup, c'était, ouais, on va chez la Smala, on va chez Tajine Banane. Et quand j'ai cherché un nom, je regardais autour de maman, Milk et tout. Je trouvais que c'était complètement claqué au sol. Donc une pote m'a dit, bah, écoute, c'est Tajine Banane. Et c'était Tajine Banane. Donc voilà. Merci. Pas de meilleur storytelling pour celui-là. Une autre question ? Ah, au fond. D'abord, Alison, je dois te dire que je suis très, très admirative de ce que tu fais parce que je te suis depuis les débuts de Tajine Banane. Moi, à cette époque, j'allaitais mon fils depuis déjà un an. Donc, comme tu t'en doutes, j'avais déjà passé un certain nombre de commentaires assez douteux dans mon entourage. On commençait à rentrer dans la phase incestuelle du projet allaitement. Donc, je l'ai allaité 2 ans. Je reste quelqu'un de tout à fait normal, une start-upeuse parisienne, comme il y en a tant d'autres. Le prochain, comme tu vois, c'est sur la route aussi. La raison pour laquelle je suis très admirative de toi, bon, en tant que mère, ça, on ne revient pas là-dessus, mais en tant que start-upeuse, c'est que tu as une croissance de malade sur un sujet qui est quand même extrêmement tabou et féministe. Je connais peu de business models féministes qui connaissent une telle croissance. Comment tu fais, alors que je trouve que l'allaitement, y compris chez les mères entre elles, c'est un sujet qui est assez clivant. On a souvent tendance à tomber dans la culpabilisation, etc. Comment tu fais pour rassembler les gens ? Comment tu fais pour avoir une telle croissance ? Parce que lui, il compte. Et moi, je crée et je casse pas les couilles aux gens. Voilà. Je les saoule pas. Je leur dis pas qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Je ne suis pas là pour leur dire « Super, tu as allaité 1 an, tu es meilleure que toi qui as allaité 10 jours. » En fait, on laisse le choix aux gens et on leur parle comme si c'était notre famille. Et justement, moi, je ne suis pas issue de cette éducation de la start-up. Je n'ai jamais voulu monter de boîte de ma vie, mais l'enfer, mes limites même, la fringue, pire. Je voyais des gens mettre sur des seins, je faisais « Putain, le taf de merde !» Et c'est ce que je fais. Et je pense que tout... ça fait que je ne suis pas arrivée avec un mode d'emploi, je ne suis pas arrivée avec la com, il faut la faire comme ça. Instagram, il n'y a que moi qui travaille sur Insta et mon mec répond au message, mais c'est moi qui poste, c'est moi qui fais les stories, c'est moi qui fais tout. Là, on embauche, donc on commence un peu à déléguer. Et c'est vrai que je crois que tout ça, je me rends compte 1 an et demi plus tard, que ce qui était au début ma honte, parce que justement, je n'ai même pas mon bac. Et je pense que j'ai mis, là on dirait un coming out. J'ai pas mon bac. Voilà. Ça c'est fait. Et du coup, ça c'était la honte de ma life, quoi. Truc de ouf. À chaque fois j'étais, non mais terminale L, je l'ai pas passé. Et tout ça mis bout à bout, au début c'était vraiment, je me disais, non mais t'es une escroquerie meuf, hein, c'est pas possible, tu peux pas en être là, tu peux pas avoir ci, tu peux pas avoir ça, t'as pas fait d'études de marketing, même ce mot marketing, je crois que je sais même pas encore ce que ça veut dire. Et quand on me disait, oui des fois vous avez des stratégies, je parle avec une nana, je dis ouais dans 1 semaine j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, fais-le, mais bim je le fais,
Cette campagne, on l'a montée en une semaine. Et en fait, tout Tajine Banane, c'est dans la rapidité, c'est dans l'instinct. Et c'est dans tout simplement le fait de se faire confiance et d'apporter la parole que j'aimerais recevoir. Et j'aimerais pas du tout suivre une marque qui me vend toute la journée quelque chose. J'aimerais pas suivre une marque qui me raconte sa life toute la journée, ça me saoulerait. J'aimerais pas suivre une marque qui me juge, qui me donne la bonne parole, ça me gonflerait. Donc j'essaye de pas faire ça. Et j'essaye juste d'apporter du cool, du soutien. Tu t'es fait jeter toute la journée parce que t'as allaité, t'as ta belle-mère, même ta pote. Tout le monde t'a fait des réflexions toute la journée. Tu te connectes, tu t'as une banane, tu rigoles, tu vois une meuf qui fait une champagne shower comme ça. Je tombe des fois sur des vidéos. Et au moins, tu te détends et tu te dis, bon, allez, je tiens une journée de plus, on verra demain. Et je pense franchement qu'on est en train de faire péter l'audimat de l'allaitement. Hein, parce que les mamans tiennent, en plus elles passent des commandes. Alors des fois elles attendent un peu, elles font des précommandes, elles disent, bon, j'avais trop envie de lâcher, mais je venais de lâcher 50 balles sur votre site, du coup j'ai tenu un peu. Et tout ça, ça met une ambiance et je pense que c'est, pour moi, la réussite, elle est là en fait. Et juste par curiosité, tu faisais quoi avant ? J'étais aide-soignante à l'hôpital. D'accord. Et donc, jamais revenu au boulot Jamais. D'accord, ok. Jamais. J'ai lancé sur Insta et j'ai dit, je reviens pas. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Est-ce que déjà dans la salle, il y en a qui sont mamans ? J'aimerais bien savoir ça, parce que du coup, j'ai pas osé poser la question. Ah, donc, il y en a plus qui se masturbent qu'ils sont mamans. Merci. Bravo, bravo. Merci beaucoup, Maya. T'as aimé ou pas ? Ouais. Cool, merci. Merci les amis, c'est pas fini. J'espère que vous avez apprécié ces trois conversations. On va enchaîner. Alors, je voudrais juste dire deux mots sur les stands qui sont là. Donc ce soir, on a des projets qui méritent vraiment que vous les découvriez. Donc on a Ada Tech School, c'est une école pensée par des femmes pour apprendre à coder. Elles sont juste en face, elles sont ouvertes aux garçons, d'accord ? C'est simplement que les cours de code ont été pensés par des femmes. On a un beau 70-30, 70% de femmes, 30% d'hommes. Donc Ada Tech School, allez les rencontrer, elles sont juste là. On a Tajine Banane, je vous fais pas le pitch parce que je pense que ça y est, vous avez compris. Fempo, pareil. Elles sont là, vous pouvez acheter des petites culottes. On a Gold Up, le programme des meufs qui veulent entreprendre. Orienté e-commerce, donc si tu as un truc à vendre. Ou si tu n'en as pas, hein. L'idée c'est que tu commences à mettre la main à la pâte, que tu tentes un truc. On a Baobo qui est là. Et Baobo, c'est un baume pour la vulve. Et oui. C'est un moment qu'on ne connaissait pas, dont on ne parlait pas, le moment invisible. C'est un moment où on veut sortir de l'irritation. Elles ont commencé comme ça, mais en fait, elles se sont rendues compte que finalement, il y avait plein de moments où ça pouvait être bénéfique. Je vous invite à découvrir Baobo. Les foufounes, c'est le Memory Game qui a été créé par Anne, qui est juste là. Concrètement, un memory game, c'est t'as 24 cartes et tu dois essayer de retrouver la carte qui correspond à l'autre. Donc c'est un jeu qui fait travailler ta mémoire et ce ne sont que des illustrations qui ont été faites à base de photos. Vous voyez la diversité des vulves qui existent. Vous avez Jalo, c'est un thé, si je ne dis pas de bêtises, qui est fait à base de plantes, 100% naturel, pour aider à faire mieux passer les douleurs pendant les règles. Allez-y. Tous ces produits dont je vous parle, c'est des produits que vous pouvez acheter, vous pouvez rencontrer les entrepreneuses, elles sont juste là, avec vous. Et donc ce soir magnifique, ce soir on finit en beauté, ce soir on finit avec ma pote, et je vous demande de mettre un peu de love là, parce qu'on sort d'un moment un peu intellectuel, on a rencontré des meufs qui déchirent, c'est cool, on a vécu des wouh, on est rentré dans des projets qui étaient assez deep, et là on va être un peu en mode... On se laisse emporter par de l'art, par de la zik. Donc là, on se laisse flotter, on kiffe. Donc faut sortir, on change de mood là. On change de mood, on se met dans un mood plus détente. D'ailleurs, on va éteindre les lumières. Je vais y aller, s'il y a Sunberg pour les éteindre.
c'est pas synchrone. Mais je vais aller éteindre les lumières. On va se mettre dans une ambiance et on va écouter Nirina Lune nous conter la magie de la féminité selon Nirina. Selon Nirinite. Nirina, c'est à toi, ma chérie. Prends le mic, raconte-leur ta life. Nous dis ça. Let's talk about love. Ne tombez jamais amoureuse d'un musicien, surtout si c'est un guitariste, et surtout s'il s'appelle Caïs. Caïs, je kiffe tes kisses, le kaléidoscope de ton iris. Moi, l'antilope, dans cette oasis, je me mire comme le fit jadis Narcisse, mon désir expire dans ta pupille lisse. Quel plaisir de te voir, Fakir Caïs, mon étoile. Ce soir est un jeune Païs et je me voile pour voir notre toile de Matisse oriente à l'histoire, au désert des délices, mon Caïs. Caïs, je kiffe tes kies. Caïs, je kiffe tes kiss, tes kiss cassis au goût de cannabis et tes coups de canif sur ce bout de hashish. Ton iris réglisse qui me fait voir, tu unisses et tes lèvres lisses au nectar d'anis. T'es le fils d'Osiris et d'Isis, mon Caïs, t'es mon âme sœur métisse, ta peau de pain d'épices et tes cicatrices s'agissent sur moi, ta mise comme une catharsis. Caïs, Caïs, je kiffe tes kisses. Caïs, tout est kiss, tout est kiss. Caïs, je kiffe tes kisses. Hendrix, mon Jimmy des sables, au service de ton mélodique sabre, tu mixes et remixes ta musique vénérable. Sur tes cordes je glisse et d'octave en octave, plus tu es dans les graves, plus je suis ton esclave et je pète un câble. Les autres hommes sont si misérables, mon calife des dunes, mon Caïs, tu m'allumes quand tu fumes tes camels au maïs, je me consume. Toi, caramel Caïs, et moi, ta chamelle lune, je t'aime, mon Caïs, je t'aime, donc je te hume. Cette Andalouse qui est ta seule épouse, je suis jalouse, mais de ta guitare blues, moi ta zouze, je suis jalouse de cette Andalouse qui est ta seule épouse.